Ce devait être un simple au revoir pour Hélène François. Ce sera une surprise. Médecins, infirmières, kinés, ils sont tous venus l'accompagner pour sa sortie d'hôpital. Cette patiente centenaire, contaminée par le Covid-19, est guérie. Après 3 mois d'hospitalisation et un combat remporté à plus de 100 ans. Allez, bon retour, madame. Merci. Au revoir. De rien, de rien. J'avais envie de guérir. Je voulais en sortir. Je ne suis pas maître de ma maladie. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire. C'est venu, c'est reparti. Dieu soit béni. Dès les tout premiers symptômes, Hélène François a été rapidement prise en charge en unité Covid. Elle n'a développé qu'une forme légère de la maladie. Alors là, ce sont les médicaments. Pour le personnel soignant, cette guérison d'une patiente centenaire redonne espoir. Nous avons perdu beaucoup de patients qui étaient beaucoup plus jeunes. De la voir s'en sortir et être aussi dynamique, surtout quand on a des victoires comme ça, ça nous permet de continuer et de donner plus et d'être plus serein aussi. Une délivrance. Arrivée devant chez elle, Hélène s'apprête à vivre une autre émotion. Longtemps restée sans nouvelles, sa voisine a imaginé le pire la concernant. Oh, ma petite dame, je suis contente, j'étais triste, je ne sais pas plus. J'ai failli pas revenir, je suis une dure à cuire. Allez, au revoir. Et à peine arrivée chez elle, la centenaire, sortie d'hôpital, ne perd pas le nord. On va jeter ça. Vous voulez un petit apéro? Pour cette ancienne infirmière qui a voyagé en Afrique ou au Moyen-Orient, un système immunitaire et un terrain génétique hors normes pourraient expliquer cette résistance. Sa mère, qui a eu 13 enfants, est décédée à 90 ans. Voici Hélène en 1933. Elle a alors 14 ans. Sa seule famille aujourd'hui, c'est Denis, un petit-neveu pas vraiment étonné par cette guérison d'une femme de caractère. Au niveau de ses exercices de rééducation, elle était toujours extrêmement volontaire, la plus volontaire de son étage. Et même des infirmiers m'ont dit qu'elle donnait la pêche, elle donnait la pêche aux autres. Hélène François a connu l'épidémie meurtrière de la grippe espagnole. Un siècle plus tard, elle sort indemne de celle du coronavirus. Elle retrouve sa vie d'avant avec la même indépendance.